Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo DIY et j'ai décidé de tester 4 DIY Halloween. Donc j'espère que ça va vous plaire, je les ai trouvés sur Pinterest et sur internet. Ils sont vraiment très sympas à réaliser et je vous laisse sans plus tarder avec la suite. Pour ce premier DIY, je vais utiliser des bandes de plâtre, donc moi je les ai trouvées à la ruche au loisir. Vous allez également avoir besoin d'une bouteille en verre. Je vais découper les bandes de plâtre au format voulu, puis je vais les tremper dans de l'eau froide et les appliquer sur ma bouteille. Je répète l'opération jusqu'à ce que ma bouteille soit entièrement recouverte. N'hésitez pas à coller des bandes dans différents sens, de différentes longueurs et à faire des plis. On ne recherche pas du tout un bougeoir parfait puisque c'est un DIY d'Halloween. Donc n'hésitez pas à faire des plis, à faire quelque chose avec du relief. Vous pouvez également venir recouvrir une boîte de conserve pour un autre style de bougeoir. Vous n'avez plus qu'à laisser sécher quelques heures. Je vais maintenant dessiner des yeux et des bouches sur une feuille noire, donc vous pouvez vous inspirer sur internet. Et si vous n'avez pas de feuille noire, vous pouvez tout simplement prendre une feuille blanche que vous allez colorier par la suite. Je viens ensuite découper mes yeux et mes bouches et je vais pouvoir les coller sur mes bougeoirs. Voilà ce que ça donne une fois collé, personnellement j'aime beaucoup. Je n'ai plus qu'à placer les bougies dans mes bouteilles, donc j'ai dû les retailler un petit peu parce que les bougies étaient trop grosses, donc tout simplement avec un couteau je suis venue râper la cire et ensuite j'ai placé mes bougies dans les bougeoirs. Pour finir, avec un briquet, je suis venue réchauffer la cire pour qu'elle dégouline sur le bougeoir. Si vous êtes jeune, n'hésitez pas à demander à vos parents de faire cette étape-là. Voilà, le premier DIY est terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup le résultat. Pour ce DIY, je vais avoir besoin d'une taie de coussin blanche. Donc j'ai trouvé la mienne chez Action pour moins de 2 euros. D'un tube de peinture noire et des yeux mobiles. Je vais également avoir besoin de gabarit chauve-souris, donc moi j'ai trouvé le modèle sur internet que j'ai redessiné sur du carton. J'ai fait deux tailles de chauve-souris, je trouvais ça plus sympa. Je viens prendre ma housse de coussin et je vais placer des magazines à l'intérieur pour éviter que la peinture transfère sur l'autre face. Je pose mon gabarit et je viens faire le contour avec un stylo bille. Je refais le contour avec un marqueur pour que ça soit plus facile pour peindre par la suite. Et je viens maintenant remplir la chauve-souris avec de la peinture noire. Vous n'avez plus qu'à laisser sécher. Si vous êtes impatient, vous pouvez vous aider du sèche-cheveux comme moi. On passe à l'étape finale qui va être de rajouter des petits yeux mobiles sur chaque chauve-souris. Voilà, la housse de coussin est terminée. Je trouve que les petits yeux mobiles apportent vraiment un côté fun à la housse et j'aime beaucoup. Pour ce DIY, on va également avoir besoin d'une housse de coussin blanche. Donc j'ai tout simplement pris l'autre côté du coussin qu'on a fait précédemment. Et je vais avoir besoin de peinture rouge, donc finalement moi je vais utiliser que la peinture la plus foncée, mais vous pouvez décider d'avoir différentes variantes de rouge, c'est comme vous le souhaitez. Comme précédemment, je viens placer des magazines à l'intérieur de ma housse de coussin pour éviter que la peinture ne transfère sur l'autre côté. Avec un pinceau, je vais venir appliquer de la peinture sur toute ma main que je vais ensuite imprimer sur la housse. Je n'hésite pas à essuyer le restant de peinture pour faire des traces de doigts un petit peu partout sur la housse de coussin. Et je viens faire la même chose avec mon autre main, après vous faites vraiment comme vous voulez. N'hésitez pas à diluer de la peinture dans un peu d'eau pour faire des gouttes de sang. La housse de coussin est terminée, vous n'avez plus qu'à laisser sécher.
Pour ce dernier DIY, vous allez avoir besoin d'une guirlande à LED et de feuilles noires. Avec les feuilles, on va réaliser des têtes de chat assez géométriques, vraiment très simples à faire. J'ai trouvé le modèle sur Pinterest, mais je vais quand même vous donner les mesures. Ensuite, je vais faire deux trous pour les yeux du chat à 3 cm du haut de la tête. Je n'ai plus qu'à placer les LED de la guirlande dans les yeux du chat. La guirlande est déjà terminée, je n'ai plus qu'à l'accrocher. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ces DIY vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre préféré. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.